Qu'est-ce que c'est? Square Enix? Qu'est-ce que c'est que cela? Oh, l'araignée! Ah, pas peur, je suis un rappeur. Hey! Salut les loulous! Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Et oui, comme vous pouvez le voir à l'écran, Outriders. Voilà, je ne connais pas du tout, je ne sais pas dans quoi je me lance. Mais en tout cas, c'est pour vous les amis. Vous le méritez, je vous aime à tous. Et voilà, vous le méritez. Donc, avant de lancer, eh bien écoutez, avant toute chose, pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner, à activer la cloche des notifications afin de ne rien rater des futures sorties. Et ça fait toujours plaisir, tu le sais mon ami. Et pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Et sans plus attendre, nous allons démarrer de là. À la One Again Beast of Fly, on n'a pas peur, on est des... On est des rappeurs, Birdie, et toi, mets les loulous derrière votre écran. Hein. Donc, on y va. En avant, Guingamp. Allez, on lance le jeu. Donc, nous voilà, les amis, dans la personnalisation du personnage. Ok. Eh bien, écoutez. On va se prendre une fifille. Voilà, on se prend une fifille. La tête. Non. Ah, j'aime bien la dernière. Non. Est-ce que t'en penses, Birdie? La dernière, elle est bien, non? Ouais, j'aime bien la dernière. Couleur de peau. Il y a une peau un peu rosée, non? Ah, une peau un peu rosée, regardez. Voilà, une peau un peu rosée. On va faire les yeux bleus comme les miens. Ok, ça c'est la face. Les cheveux. Oh, les cheveux. La cheveux courts. La crête. Avec la crête. Ouais, mais ça ressemble un peu à mon perso de Rider Republic. Donc. Ça fait bon aussi. Mais celle-là. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Attends, on va regarder toutes les autres, il y en a plein. Très androgyne, ce que j'aime. Non, on dirait qu'elle a une moumoute. Non. Ah! T'aimes pas celle-là? Ah, j'aime beaucoup celle-là. Ah, je pense qu'il y a des tresses derrière et tout, c'est sympatoche. Ah, on dirait Aloy. On dirait Aloy. Ah, rasé sur le côté, je suis sûr. Ouais. Ah, je sais pas laquelle prendre. Moi, j'aime bien celle-là. T'aimes pas? Hein? Couleur des cheveux, gris, marron. On va prendre des cheveux gris bleuté comme ça, j'aime beaucoup. Allez. Ah non, j'ai pas, attendez. Le marquage. Caractéristiques, oh là là. Ok, c'est les balafres. C'est sympa celle-là, ouais. Le piercing. Ah. Le piercing, t'as quoi là? Ok. Sur le nez. Ah, j'aime bien les trois boucles comme ça, ouais, c'est sympa. Allez. Maquillage. Elle a pas besoin de trop de maquillage. Hein. Ah là, on voit mieux sa cicatrice comme ça. Elle est moins balafrée. Ah,
Donc attendez, j'aime bien la dernière. Là, celle-là. Ah, je me tâte, hein, je me tâte les amis, je me tâte. Là, c'est... Il n'y a presque rien. Je vais garder celle-là, discret mais sympathique. J'ai créé le nom de mon perso en sauvegarde. Et ça démarre de là, on n'a pas peur, on est des rappeurs, on le sait. Un nouveau départ, rejoindre une équipe au hasard. Niveau du monde 1, commencer une nouvelle partie. Message de l'équipe de Traders, ok. Je vous laisse lire. En tout cas, la qualité d'image est exceptionnelle. Le SM Flores doit son nom à Sibylla May Flores, inventrice de génie morte de cause naturelle en 2071. Oula. Donc, de quoi s'agit-il? La Terre était morte. Morte, dead. Deux vaisseaux étaient censés nous transporter à travers les étoiles. Un seul vaisseau a réussi. Il ne reste que nous. Que toi et moi. Après un voyage de 83 ans, nous gravitons enfin autour de notre nouveau foyer. La planète Enoch. Waouh. J'ai envie de vous dire que ça en met plein la vue, quoi. Capsule 1, QG Flores, autorisé à engager la descente vers la surface. Reçu, désengagement. Allumage des propulseurs auxiliaires. QG, nous pénétrons l'atmosphère dans 20 secondes. Initié allumage, rotation et freinage. Moteur à 30% en rotation. Nous entrons moteur en premier, altitude 6 km en chute libre. Capsule 1, nous captons des interférences passées en antenne directionnelle. QG, confirmez force du signal. Excellent, capsule 1. Procédez à l'atterrissage. Extinction des moteurs. Capsule 1 a atterri. Donc attendez, on va vite regarder. Ah, je peux pas passer. Presque comme à la maison. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Alors, boss, on est prêt? T'as mon camion? Je suis la boss dans le jeu. C'est royal. Graphiquement, rien à dire. À 3 et 6 heures, plusieurs défenses et une base d'opération établie dans l'heure. Au boulot. Gutman, venez ici. Vous connaissez bien les enjeux. Le Flores est déjà à moitié démonté et notre moteur part alimenter une ville d'un demi-million. Si ces abrutis d'Outriders touchent le gros lot, vous venez me voir en premier. Je suis là pour m'assurer que les procédures sont respectées. On n'est plus sur Terre, Shira. Les procédures, c'est démodé. Écoutez, Outriders. Je sais ce que vous vous dites. La maison, c'est fini. Et ouais. Personne ne sait ce qui nous attend là-dehors. Mais l'océan n'approuvera pas l'atterrissage. Si. Ce qui nous attend dehors, alors c'est un pouce bleu. Et un abonnement et un joli commentaire. Sinon, t'as la malédiction de Night qui s'abattra sur toi. Donc, en tout cas, royal. Hein, pour le moment, les loulous,
La qualité d'image, c'est... voilà. Oh. Oh, c'est royal. Waouh. C'est vraiment un monde à part, quoi. Je me rends reconnaissance à pied. Faut que je me dégourdisse les jambes. Je passe devant. Faudrait pas vous faire bouffer le premier jour. Voilà, Subrider. Donc, avant de commencer, je serai à la maison sous un tas de cendres. Ok, en avant. On regarde d'abord les options, s'il y a moyen. Nouvelle quête, l'arrivée. Pour les sous-titres, c'est un peu compliqué. Oh là, la sensibilité, elle est de ouf. Sans cet air un peu. J'arrive même plus à transformer un air qui sent autre chose qu'un carburateur fumant. L'air sur Terre ne me dérangeait pas. Je m'étais habitué. On s'habitue très bien à l'air frais aussi, crois-moi. Le truc, c'est que aucun de nous n'aurait dû quitter la Terre. Culpabilité du survivant. Tu crois que les autres ne le ressentent pas? Pas seulement ça. Si le moteur du caravane n'avait pas explosé sur Terre et tué la plupart des vrais Outriders, il n'y aurait pas de mercenaires ici à leur place. Fais partie du groupe parce que tu ne recules devant rien. Ok, donc là c'est le didacticiel, c'est pas mal. Le radar vous indique, vous aidera à localiser vos objectifs, vos ennemis et d'autres points d'intérêt. Ok, super. On va camper ici. Outrider, mets un drapeau balise. Ouais, mais il y a une bête là. L'endroit est sûr. Il y a une bête là-bas. C'est bon. Super, on a mis un drapeau balise. Pour le moment, tout se passe bien. Ok, tout le monde, on a du pain sur la planche. Kusberg, Skarstedt, établissez un périmètre. Je veux voir les premières fortifications dans l'heure. Jacob, tu vas tester les munitions. Gutman, active ton scanner rapidement, qu'on mette la main sur ces sondes. Outrider, viens là. Ouais, j'arrive, mais on me demande d'explorer le camp et après il faut que je vienne. Hey! Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de mon meilleur tireur sur le coup, au cas où ça foire. Je peux compter sur toi? Non, non, c'est J'attends pas moi le meilleur ordres, tireur. Capitaine. Nos armes n'ont pas tiré depuis près d'un siècle. Va donc voir Jacob pour qu'il vérifie ton équipement et prépare-toi. On bouge dès qu'on aura localisé les sondes. Des questions? Silence sur Terre, j'imagine. C'est vraiment fini. Elle est morte, 15 ans après notre départ. Plus ou moins comme prévu. Le CA confirme qu'on ne reçoit rien depuis. Merde. J'ai grandi dans la misère, sans argent, sans rien. J'ai tout perdu, vraiment, bien avant la fin. Je me souciais pas vraiment de la fin du monde. Je pensais même pas vivre au-delà de 20 ans. Quoi qu'il en soit, je l'ai fait, j'ai survécu. Maintenant, je sais même pas pourquoi je suis ici. Wow. Si tout va bien, c'est poignant, le jour viendra où tu laisseras tout ça derrière. C'est un nouveau départ. Tu pourrais fonder une famille, te faire une piole, avoir des bébés, et vieillir tranquille. Oh, c'est pas mon genre, Cap. Non.
Mon truc, c'est les armes, pas les gosses. Quelqu'un comme moi n'aura jamais sa place ici. Ça, c'était peut-être avant. Mais tu fais partie des élus. Tu construiras le futur. Ne le gâche pas. Avec sa coupe androgyne, c'est une guerrière. Attends, elle n'a pas le temps pour les bébés. Ok, je vais aller voir Jacob. Votre famille a quitté la Terre. On va le... Vous en connaissez d'autres qui ont quitté la Terre, Cap ? Mon frère. Presque. Mais non. Ils l'ont mis en cryostase quand on évacuait LA, en espérant arrêter l'hémorragie. Mais il était trop tard. Oh, merde. Désolé de l'apprendre. J'ai pas encore vraiment eu le temps d'y penser. Et Sarah, alors ? Elle va bien ? Ouais. Sarah est là-haut. Il réveille son groupe dans 6 mois seulement, mais je peux attendre. J'ai oublié de te dire, au fait, avec tout ce qui s'est passé, mais... Ma fille est enceinte. Ah, félicitations. C'est pour ça qu'elle a pu venir. D'une pierre deux coups, alors. Voilà pourquoi vous avez la forme depuis qu'on vous a réveillé. Ça suffit, Outrider. Oui, chef, grand-père chef. Bien, chef. Oui, chef. Ben, je vais aller voir Jacob. Mais... Je vais voir Jacob au champ de tir. Bien. On décolle dès qu'on retrouve les sondes, alors prépare-toi. C'est où, Jacob ? Wow, la sensibilité, c'est un truc de ouf, quoi. Faut se faire la sensibilité, les loulous. Hein. Je peux t'aider, boss. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit, Jacob ? C'est parfait. Magnifique. Combien de temps avant qu'on recouvre tout de béton et de plastoc, à ton avis ? T'es toujours aussi cynique, malgré tout. Regarde donc cette vallée. Je sais pas, boss. On a quand même pas mal de pression, là. On vient de laisser une planète morte derrière nous. Alors si on excelle là... Peut-être pas. Bon, c'est peut-être la bonne, ouais. On va peut-être pouvoir arrêter de dormir avec un flingue sous l'oreiller, sans s'inquiéter de savoir si on va crever de faim ou non. Crois-moi, boss. Je rêve qu'on y arrive. Tu peux pas savoir. Mais... Les gens... Ne change pas. Tu mises toujours sur le noir, hein ? La maison gagne toujours. Ce dernier jour s'était tendu. J'ai bien cru qu'on allait tous y passer. On risque souvent nos vies. T'arrêtes pas d'y penser, toi aussi, hein ? Je sais. C'est fou. Il y a déjà 80 ans. Comme si c'était hier. J'ai encore des petites douleurs et les oreilles qui sifflent à cause des coups de feu. Faut dire qu'ils étaient des milliers. À se marcher dessus, massacrant tout sur leur passage. Cherchant à faire tomber la rampe de lancement pour défoncer les portes de la navette. J'en ai fait des champs de bataille, mais ça, c'était l'anarchie. Écoute, c'était à eux ou à nous de partir de la planète. On a fait ce qu'on avait à faire. On fait ce qu'on a à faire. On s'aide les uns les autres. Ça, ouais, pas le choix. Tu es la seule personne en vie que je connaisse, à part le capitaine et Cuthbert. Je suis surtout le seul en vie qui mérite d'être connu. Je suis contente que tu aies pu embarquer, salopard. Moi aussi. J'ai du matos à tester. Un peu d'entraînement aux cibles, boss, hein ? Ouais, bah... C'est parti ! Ça va être chaud, hein ? Avec la sensibilité qu'il y a, c'est un truc de ouf, quoi.
un nouveau joujou, boss. Et c'est toi qui vas le tester. Ah ouais, ok. Oh là, putain. Ah, la sensibilité, elle est... Faut s'y faire. Tu peux essayer ton arme de poing maintenant. Maintenez triangle pour passer à votre arme de poing. Ok. Parfait. T'as pas perdu la main. Je t'ai déjà dit que j'étais content d'être de ton côté. Arme principale, ok. J'ai pas trop perdu. Un petit peu, la sensibilité, elle est terrible. Elle est terrible. Donc pour te... Ok. Pour te cacher... Ah, on va récupérer là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok. À parler à Shira, attendez. Elle est où? Elle est là-bas. Oh mon Dieu, c'est superbe. Ah, si tu avais vu ça, papa. Hé, hey. Vous êtes Shira? Excusez-moi. Cette planète, j'en reviens pas. C'est très beau. Maintenant, on aimerait avoir Internet pour partager tout ça. C'est dans un but scientifique. Et puis, on aura un internet qui fonctionne dans les 6 premiers mois. On est parti avec une sauvegarde. Je plaisante, Shira. Des nouvelles de la sonde? On est en train de scanner. Je sais pas ce que je peux faire de plus, c'est que... Comment les signaux des sondes ont pu disparaître? Ouais, ce serait à cause d'interférences ou un truc comme ça, non? De l'espace, peut-être, mais pas d'ici. En tout cas, les premiers résultats étaient bons. On respire. Oui, mais pour que l'ECA autorise un 500 000 de personnes à atterrir, il nous faut les données des sondes pour savoir si c'est faisable. Et si ça ne l'est pas, l'ECA a un plan B? Et si on parlait plutôt du paysage? Bon, je veux la vérité. Le plan de l'ECA est solide, selon vous? Mon père faisait partie de l'équipe qui a conçu ce plan. Je l'ai toujours connu travaillant sur ce projet. La plus grande entreprise de toute l'humanité. Ah, c'est comme ça que vous êtes là, alors. Pistonné par papa? Non. J'ai étudié l'ingénierie. Vécu en orbite. Conçu la structure. Vissé des rivets dans la coque. J'ai construit ce vaisseau. Donc vous méritez tout ça. Tant mieux pour vous. C'est une tête, en fait. C'était mon père. Mais pas comme vous le pensez. Il s'est sacrifié. Pour moi. Il est resté. Merde, je... Désolé. Il aurait vraiment été fou de voir tout ça. Mais au final, c'est moi seule. C'est bizarre de ne connaître personne ici. Quand tout sera fini, passez donc nous voir. On n'est pas si méchants. Pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Et tout à gagner. Comment se passe la colonisation? Vous planifiez tout ça, non?
Oui. On a commencé à démonter le moteur. C'est la première pièce à descendre. Le noyau nucléaire devrait fournir suffisamment de puissance pour lancer la suite. Et quand ferez-vous descendre les capsules des civils ? Quelques semaines après, si tout va bien. D'abord, juste assez de monde et de ressources pour pouvoir lancer l'infrastructure. Eau, nourriture et logement. Ensuite, on sort les autres de leur sommeil, milliers par milliers, pour éviter les pénuries. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour nous vivions tous dans une belle grande ville. Le Flores va rester là-haut ? Il a été construit en orbite. Il ne peut pas atterrir. Nous allons le garder là-haut jusqu'à ce que nous puissions voler à nouveau. D'accord. Un jour, peut-être. Ils sont pas sûrs de repartir, en fait. Dites, c'est censé clignoter comme ça ? Oh, mais c'est une sonde. Tanner ? Je crois qu'on a un signal, tout près. Excellent, Outrider. Va vite me trouver cette merde, qu'on puisse atterrir. Bien reçu. Hey, c'est un moment historique. Il faut le documenter. Dans un bus scientifique, bien sûr. Cheers. Elle est prise, la photo ? Ok, parler à Shira, c'est fait. Trouver la sonde, super. Attention, du mouvement à 9h. Un gros truc. À toutes les unités, restez vigilants. Gardez le périmètre et ne tirez pas tant qu'on ne sait pas ce que c'est. Wow. Wow. Je wow. Vois des... un genre de yen croisé. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, les voilà aussi. Oh. Il y en a tout à propos. On sait pas si la faune locale est végétarienne ici. Est vivant. On appelle ça des vivants. Oh. C'est pareil. Ah, c'est pas bien là. Tronche, en tout cas. Non, c'est pas signé pour ça, hein, les vivants. Je suis sûr qu'on peut les domestiquer pour l'agriculture. Je suis sûr qu'ils sont délicieux une fois dans l'assiette. Une des hyènes bizarres fait bronzette sur le chemin. Vous pouvez peut-être prélever de l'ADN si vous vous approchez. C'est pas vraiment la priorité, mais j'essaierai si je peux m'approcher sans l'effrayer. Ouais, j'ai pas bien envie. Ratée, elle s'est enfuie. Ah. Mais j'ai sécurisé l'objectif. Fantastique. Je vois une tempête se former au loin. Waouh. Tiens. Regardez-moi ça, les loulous. Ah ouais, il y a une tempête. Cap, j'ai trouvé la sonde. Elle a pris un bon choc, mais les données ont l'air intactes. Bien reçu. Je transmets au QG. Bon travail, Outrider. Attendez. Tanner, je capte un deuxième signal. Mais il y a quelque chose de bizarre. Bizarre ? La tonalité monte et descend. Elle devrait être stable, c'est étrange. Outrider Alpha, QG. Attendez avant de donner le feu vert. On a une autre sonde à analyser dans le coin. Négatif, Alpha. Votre travail est terminé. Bon sang. Écoutez, Maxwell. On peut pas se permettre la moindre erreur. Donnez-nous du temps. Du temps ? On va pas rater notre fenêtre orbitale. On a les données, j'envoie le feu vert. Continuez à chercher si vous voulez, je me fiche de ce que vous trouverez. Terminé. Outrider, rendez-vous au convoi. On va traquer ce signal et voir où ça nous mène. Ok. Et je fais quoi de la sonde, là ? J'en fais rien, je laisse là. Allez, je me casse alors. J'arrive, les loulous. Attendez-moi, on oublie qu'on n'a aucune chance en France. Ça sera malentendu, on ne sait jamais. Je veux faire bronzette, je veux me baigner. Euh.
J'ai entendu une bête. Oh, Trider, j'ai entendu une bête. Bon, écoutez, on rentre au vaisseau. On ne sait jamais, j'ai pas envie de me faire bouffer. Et je cours, je me raccroche à la vie. Allez, ouais. Ok, je peux pas descendre là. Je peux pas passer de là non plus, il y a des arbres. Bon. J'arrive. Capitaine, je suis là. Yeah. Cuthbert, du nouveau ? Le signal de la sonde est faible, mais j'ai trouvé la source. Là-bas. J'espère que vous avez amené vos bottes. Jacob, même merde, planète différente. Ocevice. Allez. On démarre de là, on se casse. On a trouvé une sonde. Des animaux préhistoriques, on dirait bien. Qu'est-ce qui nous attend ? Une musique, l'ambiance. J'ai peur. J'ai la main qui tremble. Comme la feuille morte qui tombe en hiver de l'automne. J'ai peur. Mon arme. Merde. L'électronique répond plus. Les camions sont HS, on continue à pied. Ah bah trop bien. Soldat, ta mission première, c'est Shira, tu comprends ? Ouais, parce que l'eau ça mouille. Allez en avant, ouvrez l'œil. Tu dois la couvrir. Tu dois couvrir Shira. Shira ou Shira pas ? Oh, c'est quoi dans l'eau là ? Y'avait pas une bête dans l'eau là ? Un genre de croco ? Oh putain, il m'a fait peur ce con. T'as avalé ta salive de travers ? Non, ça va, c'est rien. Putain. Touche pas, Shira. Ramenez-le au vaisseau, prévenez les médecins ! Qu'est-ce qui se passe ? Recule, recule ! Mais qu'est-ce merde, que c'est ? Fait chier. C'est du goudron ? Tanner, je vois la sonde. Je vois la bête. J'ai du mouvement. Je vais voir. Non, mais t'es pas obligé. T'es pas obligé, c'est moi qui tiens la manette. S'il te plaît, madame. Donc. QGECA. On a un potentiel danger biologique. Demande de procédure de quarantaine à la base. Merde, Tanner, je croyais vous avoir dit de pas forer ce... Ma réputation en jeu avec cet atterrissage, et vous n'avez aucun... Maxwell ? Merde. Unité 2, tenez votre position, on arrive vers vous. Préparez la tente médicale au cas où on devrait intervenir rapidement. Eh bien, les loulous, moi j'ai envie de vous dire que cette première partie, on va s'arrêter là. Il s'est pas passé grand chose, beaucoup de cinématiques, mais c'est pour nous mettre dans le bain. Graphiquement, le jeu il est voilà, waouh! On sent qu'il va y avoir une ambiance sympathique, mais bien bizarre aussi. Hein? Donc, eh bien écoutez, pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner, activer la cloche de notification. J'espère que ça t'a plu. Bon, le tir, mauvais départ, sensibilité énorme. Faudra que je vois si je peux pas régler ça d'ailleurs. Donc, pour tout le monde, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien, on dit bye bye, à très bientôt les loulous, je vous aime à tous, allez, restez cool, ciao, bye.